Chers scouts, chers parents, chers amis, je m'appelle Mayeul Besson et je suis le chef de la patrouille du Castor. Je vous parle depuis le sommet de la Croix de la Dent, magnifique mont au cœur de notre département de l'Ain. C'est ici que notre patrouille de la troupe première Notre-Dame des Marais s'est constituée et a vécu les premières grandes activités de son existence. Derrière moi, vous pouvez admirer la vallée du Suran. C'est ici où notre patrouille a vécu ses trois premières années depuis sa création et y a vécu ses plus belles aventures. En 2020, c'est la constitution de notre patrouille. Nous découvrons ce lieu. En 2021, nous effectuons notre premier défi. Nous effectuons un raid, c'est-à-dire une marche au plus droit dans la forêt, sans suivre les chemins et sans craindre les ronces. Nous avons donc acquis une précision, une rigueur et une solidarité dans l'effort. En 2022, nous effectuons une exploration, c'est-à-dire une marche normale par les chemins où nous découvrons notre patrimoine et les habitants de nos belles régions. Cette année donc, nous effectuons comme défi une veillée. Nous allons donc communiquer dans un seul événement inédit dans notre troupe nos vertus, nos techniques d'expression et notre idéal scout. Nous allons donc vous présenter le roman du raid des quatre châteaux, écrit par Maurice Le Prince. Nous allons faire donc un condensé de cette œuvre qui nous présente l'imaginaire scout, l'idéal scout et la foi catholique que les scouts veulent vivre au quotidien.